Nous mourrons tous, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Oh, Jésus, Maria, la Sainte Vierge. C'est inutile d'appeler le bon Dieu. Parce qu'il y a si tellement beaucoup de pauvres créatures qui aident le bon Dieu de tout leur courage, que ça fait un grand bruit ennuyant. Et le bon Dieu l'entend et il crie, que les foutre tout ce bruit, et il se bouche les oreilles, et l'homme est abandonné. À l'époque où l'on vivait tous en bonne harmonie, unis comme les doigts de la main, et les combites qui réunissaient le voisinage pour la récolte et le défrichage. Aujourd'hui, je travaille ton champ, toi, demain le mien. L'entraide, c'était l'amitié des malheureux. Ah, le temps des combites.
Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Ça va bien, mademoiselle? À la grâce de Dieu, oui. Quand je suis parti, il n'y a pas cette sécheresse-là. Une véritable malédiction à l'heure qu'il est. Tu parles du temps en temps comme si tu étais déjà un homme d'âge. Oh, il y a longtemps que j'ai quitté le pays. Attends, à Pâques, ça fera 15 ans. 15 ans que j'ai passé à Antilla. 15 ans à vu tomber la canne tous les jours. Tous les jours, de lever du soleil à la brume du soir. Jésus-Marie à la Sainte Vierge. Pour nous autres malheureux, la vie est un passage sans miséricorde dans la misère. Oui, frère, c'est comme ça. Il n'y a pas de consolation. En vérité, il y a une consolation. Je vais te dire, c'est la terre. Ton morceau de terre est ta liberté. Alors tu vois ton champ mûr couché devant toi le matin sous la rosée, et tu dis, moi un tel, gouverneur de la rosée, l'orgueil rentre dans ton cœur. Oui, mais la terre ne donne plus rien. Et quand par chance tu lui as arraché quelques patates et quelques grains de petit mil, les denrées ne font pas de prix au marché. Alors la vie est une pénitence. Voilà ce qu'elle est la vie au jour d'aujourd'hui. Comment c'est Bélia? Bonjour. Et bonjour, belle soeur Anaïs. Comment va tout le monde, ma belle Légresse? Tout le monde est bien, ma.